بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je continue sur notre projet gestion de stock. Donc je lance la base de données. Donc je continue ici sur la section éditer une commande. Je passe ici sur liste commande. Lorsque je clique ici sur ce bouton, donc je lance l'interface éditer une commande. D'accord? Donc je continue à finaliser ce travail. Donc ici sur la partie donc ici sur commande, je vais activer ou je vais donc programmer l'action sur mettre à jour une commande. D'accord? Donc lorsque je clique ici sur mettre à jour une commande ou éditer une commande, je valide l'édition de la commande. Donc j'ai plusieurs modifications à faire. Donc sur la table commande ici, donc, je vais modifier les informations concernant la commande. Donc ensuite, je vais modifier les informations ici comme en détail, donc soit l'ajout d'un produit ou la suppression d'un autre produit. Et je vais activer aussi la sauvegarde ou je vais activer l'historique des mouvements de chaque produit. Donc dans cette interface, pardon, dans cette table ici de mouvement, donc je vais essayer donc mettre ici donc la date des mouvements, donc le type de mouvement soit sortie ou entrée. Ainsi, je vais mettre ici l'ID commande, l'ID produit, la quantité commandée et le prix unitaire. Donc, comme ça, donc dans cette table de mouvement, je vais enregistrer, je vais garder un historique sur les entrées et les sorties du produit. Donc, input, output du produit. D'accord? Donc, pour finaliser le travail, donc je vais passer par plusieurs fonctions et objets. Donc, je passe ici sur créer. Je sélectionne ici Visual Basic pour entrer sur la partie programmation, la partie code. Et ici, je vais mettre plusieurs, je vais ajouter ici un module de classe ou un objet qui va représenter la table mouvement. Donc pour simplifier l'ajout et la suppression et la mise à jour dans ces tables. Et ensuite, je vais ajouter plusieurs fonctions qui vont simplifier la manipulation de la table commande détail et la table mouvement. D'accord? Donc je vais ajouter ici un module de classe. D'accord? Donc qui va représenter la table mouvement. Donc je vais tout. Il ne faut pas oublier de mettre ici option explicite. Pardon. Très bien. Donc pour les champs, donc public. Donc pardon, public date. Donc date. Move donc as that. Donc le deuxième champ, donc public type mouvement, donc type move as string, ça veut dire soit entrée soit sortie. Donc public, donc id commande, donc as integer et public, pardon, donc id produit as integer. Je déclare ensuite donc quantité, pardon, la quantité commandée donc as integer, et pour le prix unitaire à 5. Donc, prix unitaire, très bien. Donc, lorsque je vais enregistrer ici, voilà, donc je vais mettre ici, donc pour cette classe, je vais la renommer mouvement. Mouvement. Très bien. Donc, c'est un objet qui va représenter les mouvements. Très bien. D'accord? Voilà, donc la classe est ajoutée ici. Donc, j'ai donc classé ces commandes détail et mouvement. Très bien. Dans la partie module, où je vais déclarer fonction publique. Donc, la première fonction qu'on va utiliser ici, donc, une fonction qui va mettre ici updates pour mettre à jour updates produit. Très bien. Donc, je déclare cette fonction comme ça. Donc, public fonction. Donc, updates. Donc je donne ici pour mettre à jour un produit, j'ai besoin donc ID produit
as integer. Ensuite, je vais mettre ici la quantité, par exemple, quitter ou la quantité as integer. Voilà. Et je vais ajouter un troisième paramètre. Par exemple, lorsque je vais supprimer produit de la table comme en détail, d'accord? Donc, je vais restaurer la quantité déjà supprimée. D'accord? Si je vais ajouter un produit dans la table commande détail, donc je vais soustraire la quantité enregistrée dans la table commande de la quantité globale de ce produit. D'accord? Donc, je vais mettre ici donc, un troisième paramètre donc, qui va représenter l'opération, soit une opération plus ou moins. Donc, la fonction va retourner un boolean, donc pour s'assurer est-ce que la fonction est bien exécutée ou non. Donc je déclare ici comme l'habitude je donc team db as database et je déclare ici donc mdrec as string. Très bien. Donc ensuite je vais préparer la requête ici donc team pardon la requête ici est égale à donc updates produit pardon donc set la quantité en stock est égale à la quantité en stock donc concaténée avec un opérateur soit plus ou moins donc avec ici opération concaténée ensuite avec la quantité passer en paramètre, d'accord? Quitter. Ensuite, je vais maîtriser la condition where id produit est égal à l'id produit passé en paramètre. Voilà. Donc, je vais exécuter cette requête en passant par l'objet db.executeRec. D'accord? Donc, je vais tester ici. Donc, fdb.record affixed. Donc, ici, période à 0, ça veut dire la requête a été bien exécutée. Donc, then, else and if. Pardon. Else and if. Très bien. Donc, s'il est bien exécuté, je vais mettre ici updates est égal à true. Donc, la retour de la fonction, je vais mettre update est égal à true, else, je vais mettre égal à false ici. D'accord? Il ne faut jamais oublier de détruire les objets. Donc, db.close et setdb est égal à nothing. Très bien. Donc, la deuxième fonction que je vais créer. Donc, je vais mettre ici une fonction donc, qui va enregistrer dans la table, enregistrer dans la table, la table, pardon, comment détail. D'accord? Donc, voilà, donc, je vais mettre ici la fonction enregistrer de la commande détail qui nous permet d'enregistrer un enregistrement de commande détail. Donc, je vais mettre ici le public, pardon, fonction. Enregistrer commande détail. Donc, elle va accepter comme paramètre un objet de type commande détail. Je peux mettre par exemple cmt as commande détail et comme valeur de hauteur as boolean. Très bien. D'accord? Donc, toujours, je déclare ici, donc, dim db as database. Ensuite, dim, je vais mettre ici, dim rs as record set. Voilà. Donc, set db est égal à queryons db. Et je vais mettre ici, donc, set record set.
RS est égal à db.openRecord7 et je vais mettre ici donc select étoile donc from commande détail. Très bien. Et je passe le paramètre db open dataset. Donc pour ajouter un nouvel enregistrement, je vais mettre rs.new et ensuite je valide avec rs.updates. Très bien. Je vais mettre ici donc rs. Pour la commande détail, je vais mettre ici donc id commande. Donc, commande est égale à. Ah, donc, je récupère donc l'id commande de l'objet passé en paramètre. Donc, cmt.id commande. Très bien. Donc, la même chose, je vais mettre les autres valeurs. Donc, ici, donc id produit. Donc, mettre le prix unitaire et le dernier c'est la quantité commandée. Très bien. Donc je ferme le record set, donc close. Donc RS, cette RS est égal à, pardon, nothing. Donc db est égal à un point close et 7 db est égal à nothing. Très bien. Donc je vais affecter ici donc enregistrer comme détail est égal à true si tout passe bien. Donc je vais mettre égal à true. Mais en cas d'erreur, je vais retourner false. D'accord? Et je vais mettre ici, donc pour gérer ce cas, donc je vais mettre ici en erreur, go to, et je vais mettre ici, déclare une section erreur. Donc je copie ici, donc je vais mettre ici. Si j'ai une erreur, je vais mettre enregistrer. Donc mon détail est égal à false. Mais il faut faire attention, si j'ai pas d'erreur, je vais simplement s'arrêter l'exécution ici. Donc si je retourne ici la valeur égale à true, je vais mettre exit function. C'est-à-dire je quitte la fonction, d'accord? Et je ne vais pas exécuter cette instruction. D'accord? Donc voilà. Très bien. Donc la même chose, donc je vais copier cette fonction et je vais mettre ici la fonction enregistrer mouvement. Donc ici, donc enregistrer dans la table commande détail, donc enregistrer dans la table mouvement. Très bien, donc enregistrer ici, je peux mettre tout simplement FVT. Enregistrer donc enregistrer mouvement. Très bien. Donc le paramètre c'est donc MVT as objet donc mouvement. Très bien. Donc toujours je retourne ici valeur booléen pour s'assurer est-ce que la fonction a été bien exécutée ou non. D'accord? Donc je déclare ici donc c'est la même chose et je vais mettre ici donc select étoile from mouvement. Donc rs. Pardon, rs.addNew. Il faut faire attention ici, je devais modifier le nom de la fonction. Et maintenant, je vais passer par ici par MVT. Donc l'objet passé en paramètre. Je vais mettre ici, je vais donc date mouvement.
Donc, ID commande, ID produit, prix unitaire. Donc, la quantité est ici le type membre. D'accord? Je vais copier. Parce qu'il s'agit des mêmes noms. Très bien. Donc, je pense que ça va. Donc, je passe ici une variable de type mouvement. Donc, je vais accéder ici à la base de données ou la table mouvement. Donc, je vais mettre ici rs.addNew. Donc, je vais faire l'affectation. Donc, la quatrième fonction donc, sera donc ici, donc updates mouvement. Et la même chose, donc commande, soit mettre à jour le mouvement, la table mouvement, ou commande détail, puisque c'est presque la même structure, presque la structure sont identiques. Je vais utiliser une seule fonction qui travaille en même temps, c'est commande détail et mouvement. Donc je vais passer le nom de la table comme paramètre de cette fonction. D'accord? Donc public, function. Donc, pardon, updates MVT au commande détail. Donc, je passe ici, c'est le nom de la table. Donc, table. Name. Table name as string. Donc, pour faire une action sur soit le commande détail ou le mouvement, donc j'ai besoin de deux paramètres. Donc l'ID produit et l'ID commande, d'accord? Je vais mettre ici, donc ID commande as integer. Ensuite, ID produit. Pardon, as integer. Et ensuite, je vais mettre ici la quantité, donc quantité as integer. D'accord, cette fonction va retourner as boolean. Très bien. Donc, j'ai ajouté ici le table name, donc pour spécifier est-ce que je vais mettre la mise à jour sur la table MVT ou je vais mettre la mise à jour sur la table commande détail. Donc, je passe le nom de la table comme paramètre de cette fonction. D'accord? Donc, je peux copier ce code parce que presque c'est la même chose. Je vais mettre ici. Donc, update produit. C'est pas produit ici. Donc, updates. Je vais mettre ici. Je passe le paramètre. Voilà. Donc, tab name. Comme ça, je vais mettre updates. Soit comme détail au mouvement. Pardon, je vais mettre updates. Concaténé avec. Donc, c'est, je pense ici, donc, quantité commande, c'est la même chose ici que commande détail, quantité commande, voilà. Donc, update quantité commande est égal à. Donc, la quantité s'est passée en paramètres. Voilà, et je vais mettre where ID produit est égal à l'ID produit ici. Et concaténer ensuite avec end ID commande, pardon, est égal à l'ID commande passé en paramètre. D'accord? Donc la requête est égal à update table name. Je vais passer le nom de la table en paramètres. Cette commande, quantité commande est égale à la quantité ici passée en paramètres. Where, je vais utiliser ces deux conditions. Donc, where ID produit est égal à ID produit, ce qui est passé ici en paramètres.
And plus, donc la contrainte sur donc ID commande est égal à l'ID commande ici passé comme paramètre. D'accord? Donc ensuite, je vais exécuter la requête et je teste ici. Si la requête a été bien exécutée, je vais mettre ici cette fonction est égal à true. Si elle n'est pas bien exécutée, je vais mettre est égal à false. Très bien. Une autre fonction qui permet de supprimer donc un élément soit de la table mouvement ou de la table commande détail. D'accord? Donc je peux copier cette fonction, presque c'est la même chose. Et je vais mettre ici donc supprimer de la table mouvement ou commande détail. Donc updates dans la table. Très bien. Donc je vais mettre ici donc supprimer au lieu de update, je vais mettre ici supprimer. Voilà. Donc presque c'est je vais pardon, j'ai pas besoin de la quantité ici. Voilà, donc tab name a été commande a été produit. Donc je vais au lieu de mettre ici update, je vais mettre delete. Delete from Delete étoile, pardon, from la table name passée ici en paramètre. Donc je vais pas mettre ici, donc je vais supprimer ce code. Concaténer avec where id produit est égal à l'id produit et end id comment est égal à id comment. Très bien. Donc si la fonction a été bien exécutée, je vais mettre supprimer est égal à oui, ou true, pardon. Sinon, je vais mettre ici fonction est égal à false. Donc, la sixième fonction, donc il permet de chercher un élément, bien sûr, un enregistrement, soit de la table mouvement ou de la commande détail. D'accord? Ici, je vais mettre chercher un enregistrement. Dans la table donc soit mouvement soit commande détail très voilà donc pour la fonction je vais mettre ici donc public function pardon donc public function. Donc, isExist, par exemple, je vais renommer cette fonction isExist. Donc, invité aux commandes détail. D'accord. Détail. Vraiment, je vais passer presque les mêmes valeurs ici pour paramètres. Donc, le tab name, l'ID produit et l'ID commande. La valeur de retour, donc je vais mettre ici comme la valeur de retour s'il existe. Donc je vais retourner la valeur ou la quantité parce que j'ai besoin de la quantité. Si je supprime par exemple un élément de la commande détail, j'ai besoin de sa quantité comme ça. Donc je vais restaurer cette valeur à la quantité globale de la table produit de ce produit, bien sûr, de la table produit. D'accord, je vais pas mettre ici boolean, je vais mettre ici is integer. Voilà, donc je vais déclarer ici dim rs as integer, pardon, db as database. Ensuite, dim, pardon, rs as record set. Je vais mettre ici cette rs, pardon, cette db est égal à currentDB. Donc voilà, donc ensuite je vais mettre ici donc cette RS est égal à db.OpenRecordSet et je vais ouvrir la table donc le nom de la table passé en paramètre donc select donc étoile from donc table name
D'accord, je vais passer au deuxième paramètre, db open dataset. Très bien. Donc, je vais utiliser une fonction un peu spéciale de l'objet rs. Donc, de l'objet recordSet. Donc, rs.findFirst. Et je passe ici les paramètres. Donc id commande est égal à de paramètres passés de la valeur du paramètre passé en paramètre ici. Donc id commande. Voilà. Donc concaténé avec end. Donc id produit. Pardon. Donc id produit est égal à donc id produit donc passé en paramètre. Très bien, et je ferme la condition. Donc rs.findFirst, ça veut dire chercher le premier élément trouvé avec la condition id commande est égal à id commande, et la deuxième contrainte c'est id produit est égal à l'id produit. Très bien, voilà. Et donc, et pour tester si je trouve cet élément ou si je ne le trouve pas, voilà. Donc, je vais utiliser une fonction ici. Donc, rs.noMatch, ça veut dire si je ne le trouve pas. Donc, je vais mettre ici d'un. Donc, else and if. Très bien. Donc, si je ne trouve pas, je vais mettre ici is exist est égal à false. False. Dans le deuxième cas, je vais mettre ici est égal à true. Très bien. Il ne faut pas oublier toujours de vider la mémoire et de détruire les objets. D'accord? Dev.close, pardon, rs.close. Ensuite, set rs est égal à nothing. Ensuite, db.close. Et set db est égal à nothing. Très bien. Donc, je teste avec rs.noMatch. Pardon, ici, donc rs.noMatch est égal à true. Voilà. Si, ça veut dire que je ne trouve pas un élément. Pardon. Il faut faire attention ici. Donc, la valeur de hauteur, il s'agit ici d'un entier. Donc, je peux mettre ici. Si je ne trouve pas cet élément, je vais retourner ici moins 1. D'accord? Si je retrouve cet élément, donc, je vais retourner la quantité. Je vais retourner ici, donc, rs. Pardon, ici, donc, quantité commande. Très bien. Donc, cette valeur, il se trouve ici, donc, pardon. Donc, dans la table quantité commande, il est là. Et dans la table mouvement, il est aussi présent ici. D'accord? Donc, très bien. Donc, pour les fonctions dont nous avons besoin, donc c'est, je pense c'est bien. Donc il faut faire attention, donc je dois adapter, donc c'est ajouter commande ici, donc, je passe ici, donc c'est ajouter commande, donc j'ai déjà ici enregistré une commande, je vais modifier cette logique, et avant de modifier, je vais déplacer cette fonction, donc j'ai une commande, code commande, je peux le déplacer, je vais le mettre ici, donc sur module, comme ça, j'organise mon travail. Donc ici, donc c'est une fonction. Donc générer le code d'une commande. Très bien. Et je le déplace ici. Donc je retourne ici, c'est ajouter une commande. Je vais mettre ici tout simplement dim. Donc cmd détail as record, pardon, as commande détail. Donc je déclare c'est un objet. Commande détail. Le deuxième objet ici,
dim mvt as mouvement. Très bien. Donc dim as boolean. Et je vais déclarer quelques paramètres pour simplifier les affectations dim. Donc id produit as integer. Dim id, pardon, c'est la quantité commandée as integer. Ensuite, c'est le prix unitaire, le prix unitaire as 5. Très bien. Donc, je garde la boucle ici et je vais donc la quantité. Je vais affecter cette variable ici. Donc, pour l'ID produit, je vais mettre l'ID produit ici. Donc, pour le prix unitaire, je vais mettre prix unitaire est égal à donc cette valeur. Très bien. Donc, je ne vais pas utiliser rs.addNew puisque nous avons déjà une fonction qui permet d'enregistrer commande détail. Donc, je déclare ici un objet de type commande détail. D'accord? Donc, il est déjà déclaré. Je vais l'instancier ici. Donc sets. Donc, cmd détail égal à new commande détail. Très bien. Donc, je vais mettre ici, donc cette variable ici. Donc, commande détail point id commande est égal à id cmd, c'est la variable déclarée ici. Voilà. Donc, voilà ici. Ensuite, donc point id produit est égal à l'id produit ici, donc id produit et cmd. Ensuite, prix unitaire est égal à ce prix unitaire, donc la variable ici. Et ensuite, pardon, cmd détail. Point quantité commandée est égal à quantité commandée. Très bien. Donc je vais mettre ici donc résultat est égal à enregistré de commande détail. Donc voilà, il accepte comme paramètre un objet de type commande détail. Donc je vais passer ici donc cmd détail. Très bien. Ensuite, il ne faut jamais oublier de garder donc l'objet cmd détail, je vais le détruire ici. Donc cette cmd détail est égal à nat. Très bien. La première partie donc c'est enregistrer la commande détail, d'accord. Donc ensuite je vais mettre ensuite donc res est égal à donc c'est updates, donc updates produit, updates produit. Voilà, donc je passe ici l'id produit. Ensuite, la quantité, c'est la quantité commandée. Donc, et ici, je vais mettre le symbole moins. Donc, parce que je vais soustraire la quantité enregistrée de la quantité globale des produits. D'accord? Donc, c'est updates produit. Donc, c'est updates produit. Très bien. Donc ensuite, je vais déclarer ici un objet de type mouvement. Donc, il est déjà déclaré. Je vais l'instancier ici. Donc, set mvt est égal à new mouvement. Et je vais remplir cet objet. Donc, mvt. Donc, date mouvement est égal à la date actuelle. C'est new. Voilà. Je vais mettre ici. Donc, la date mouvement. Pardon. Donc l'ID commande et des produits, le prix unitaire, donc la quantité commandée et le type mouvement. D'accord? Le type mouvement.
Donc, politique mouvement est égal à mouvement, ça veut dire sortie. Donc, c'est sortie. Donc, pour la quantité commande ici, quantité commande. Prêt unitaire, c'est prêt unitaire. Donc, là, il y a des produits ici, il y a des produits. Et là, il y a des commandes, c'est a été CMD. Très bien. Voilà. Nous avons associé cet objet. Donc, je vais l'enregistrer. Donc, résultat. Je vais l'affecter. Donc, ici, donc, enregistrer. Donc, mouvement. Et je passe le paramètre ici. Donc, invite. De détruire cet objet. Donc, nothing. Très bien. Donc, je compile. Voilà. Donc ici, j'ai pas besoin. Très bien. Donc je modifie ici. Donc, je vais ajouter ici donc la commande détail. Ensuite, je vais déclarer deux objets. Voilà. Donc j'enregistre ici la valeur du premier enregistrement. Je vais modifier aussi updates, mettre à jour le produit. Et ensuite, je vais garder l'archive ou l'historique de ce produit. Très bien. Donc voilà, j'ai adapté la fonction qui nous permet d'ajouter ici une commande de la table commande et ainsi les annexes, donc commande détail mouvement. Donc la prochaine vidéo donc sera comment utiliser ces fonctions. Voilà, donc les fonctions créées de la partie module ici. Donc et comment utiliser ces fonctions pour donc programmer donc ici donc le bouton ici donc mettre à jour